On se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage de colis et de petits achats. Je suis passée chez Stokomanie, j'ai reçu un colis beauté privée et Banana Beauty. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous présenter un petit peu mes derniers achats. Je suis passée chez Stokomanie vite fait ce matin parce que j'étais acheté des croquettes pour ma birdie. Et puis je me suis dit que comme il me restait un quart d'heure à tuer, il y avait Stokomanie en face, donc j'étais chez Stokomanie. J'ai passé une petite commande Banana Beauty pendant les Black Friday. Et j'ai reçu un colis beauté privée que j'avais commandé en début du mois de novembre. Il a mis très longtemps à arriver et vous allez voir, c'est des produits que j'aime beaucoup dedans. Donc voilà, voilà, déjà je vois que c'est dans le sac, donc je vais vous le montrer. J'ai pris chez mon buraliste, j'ai pris le maxi comme ceci, recette de Noël, parce que j'aime bien ces magazines là et comme on fait Noël à la maison cette année, voilà, et j'ai pris le Prima, voilà, j'aime bien feuilleter ces magazines là, je trouve que c'est sympa, ça donne des petites idées déco, des petites idées recettes et tout, donc voilà. Alors chez Stokomanie, j'en ai eu pour 22,58€, donc franchement pas grand chose, normalement les prix doivent être sur les produits. Déjà on va commencer par ça. J'ai pris une boîte de Tea Time de chez Delacre. Très très bon. Bébé pulpeux, si tu passes par là, je sais que toi aussi t'aimes bien ces trucs là. Ça c'était à 5,99€. Je suis pas sûre que ce soit moins cher qu'en magasin, mais nous on aime bien ça ici, donc voilà. Ensuite j'ai pris une bouteille de vin comme ça, Château Grand Jean Bordeaux. Il était en promo. Celui-ci il était à... Il était à 3,99€. Donc voilà, j'en ai pris un. Il est médaille d'or. On verra bien s'il est bon ou pas. Hein. Je ne peux pas vous dire. Je n'en sais rien, mais on verra bien. Ensuite, j'ai pris un gel douche, mon savon au lait fleur d'oranger, si belle, comme ceci. Alors, je ne l'ai pas senti en magasin. On va voir ce qu'il sent. Ah, j'ai vraiment su mis partout. Bah, écoutez, ça sent bon la fleur d'oranger. Donc très très bien, fleur d'oranger, Stokomanie en général, il y a pas mal de produits, tout ce qui est produits soins et tout ça, il y a pas mal de trucs, mais là j'ai pris que ça, c'était 1,49€. Et après c'est que, non, il y a ça aussi qui est en un petit gel hydroalcoolique, parce qu'on en a toujours besoin, de chez Le Chat, c'était 99 centimes. Donc écoutez, est-ce qu'il a une odeur particulière? Non, ça sent vraiment l'alcool. Parce que j'en ai plus et que je trouve plus mon Somex. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un chemin de table comme ça, tout en jute, pour ma déco de table de Noël. Il était à 3,99€. J'aime bien ce style de déco. Il fait 2,70m sur 35 cm. Et je trouve que c'est sympa ça sur une table de Noël, avec une nappe dorée par exemple, ou une nappe argentée, ou une nappe noire et tout. Je pense que ça peut, même une nappe blanche, ça peut faire sympa. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un petit lot de petits sujets en bois. Il y a des toutes mini pommes de pin dedans, c'était 2,99€ et c'est des petits rennes comme ceci. Ça pareil sur une déco de table, ou mis avec, vous savez, dans l'assiette avec le nom écrit avec un feutre noir, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, j'ai pris ça. Et la dernière chose que j'ai pris chez Stokomanie, vous voyez, vraiment pas grand chose, c'est cette petite décoration là que j'ai trouvé trop mignonne. C'est une petite décoration en bois comme ça. Vous avez un petit sapin, un petit renne et une petite étoile suspendue, que je devrais peut-être raccourcir le truc parce qu'elle est un peu longue, elle tombe sur le renne. Si elle était mise un peu plus haut, ce serait mieux. Et ça c'était à 2,99€. Donc voilà, j'ai trouvé tellement jolie que je l'ai prise avec moi. Voilà. Et voilà pour Stokomanie. Donc vous voyez, vraiment pas grand chose. C'était vraiment quelques petites trouvailles. Ensuite, après il y avait beaucoup de choses, tout ce qui est vêtements et tout, mais je vous avouerai que fouiner chez Stokomanie, j'avais pas envie. Par contre dans mon Stokomanie Amiens Longo, il y avait pas mal de sous-vêtements en grande taille, si ça vous intéresse, à des prix assez intéressants. Ensuite j'ai passé une petite commande chez Banana Beauty. Alors celles qui me suivent, vous savez pourquoi j'ai passé cette commande, parce que j'adore leur mascara, c'est mes nouveaux mascaras chouchou. Alors je vais faire attention parce que dans le colis c'est tout plein de petits machins là. Ils sont où? Voilà, normalement j'avais commandé que ça, donc on ne devrait pas y avoir plus. Voilà, c'est bien que ça. Alors, j'ai recommandé mes deux mascaras chouchou. On a le... Ah bon? Extra lente. C'est pas comme ça qu'il s'appelle, je crois. Je crois que c'est No Limit, je me suis trompée. Alors, j'ai recommandé tout pour commencer le volume. Allez, c'est vrai que les mascaras, ils n'ont pas l'ouverture... L'ouverture comme les autres. Bon, je m'en fous. De toute façon, les miens, ils sont tout secs. Donc, je vais les utiliser. Le paquet, hop, on va le mettre. Voilà. Donc, j'ai recommandé le Volume Up comme ceci. Voilà. Donc, mascara de chez Banana Beauty.
Et au niveau de la brosse, c'est une grosse brosse un petit peu en forme de 8 comme ça, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle apporte vraiment du volume. Et franchement, les mascaras, autant je vous l'ai déjà dit, mais autant les rouges à lèvres de chez Banana Beauty, les lacs à lèvres, enfin les rouges à lèvres mat de chez Banana Beauty, je suis pas fan du tout. Non, c'est le bon. Et j'ai recommandé le No Limits. Donc le No Limits, c'est pareil, c'est deux mascaras que j'utilise en combo. Et le No Limits apporte vraiment beaucoup beaucoup de longueur. Ouais, c'est ça, de longueur. Et j'aime beaucoup aussi ce mascara. Donc c'est le Hop, comme je disais, le No Limits Banana Beauty. Et au niveau de la brosse, cette fois-ci c'est une brosse en picot. L'autre c'est plus une brosse en poil. Et vous avez une brosse qui est en forme de d'ovale, un peu comme ça, et qui est vraiment vraiment bien pour attraper les petits cils et tout. Franchement, cette brosse elle est top. Donc ça, le No Limits et le Volume Up de chez Banana Beauty en mascara en combo. Je passe le Volume Up en deux fois. Je passe le Le No Limits en deux fois. Je passe le Volume Up en une fois et je repasse un coup de No Limits et ça me fait des cils de folie. Donc voilà un peu pour ça. Je vais mettre ça de côté en essayant de refermer la boîte pour pas qu'il y en ait partout. Hop, et voilà. Ensuite, j'ai un gros colis comme ça qui vient de chez Beauté Privée. Alors, j'ai vu qu'ils avaient fait une vente Culpe de Vie. Alors, vous savez, Culpe de Vie et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ce sont mes crèmes que j'utilise au quotidien, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au niveau sérum aussi, j'en utilise de chez eux. Et j'utilise également... pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Et il y avait une vente de thé également. Donc, j'ai commandé pas mal de petites choses. Alors, attendez, je pousse un peu tout ça. Est-ce que j'ai une facture dedans pour vous dire un petit peu les prix? Oui, j'ai un bon de livraison. J'ai pas les prix. Alors si je retrouve les prix, je vous les mettrai dans un coin de la vidéo pour vous donner un petit peu un ordre d'idées. Mais ça valait excessivement le coup, je vous en avais parlé sur les réseaux à ce moment-là. Donc j'ai pris, alors en thé, normalement je dois en avoir... Alors attendez, je regarde... Là, 4... Ah, j'ai pris que cela, je pensais que j'en avais pris plus. Infusion, sérum, shampoing. Ouais, donc j'ai pris que ça. Alors j'ai pris 4 thés sommeil Marjolaine Fleur d'Oranger de la marque Pagès, parce que j'adore les thés de la marque Pagès. Et voilà, il y en avait, c'était un lot de 4 en fait. Donc il y en a 4 dans le petit truc, donc j'en aurai d'avance. Donc dedans vous avez, est-ce que c'est marqué? Souvent ils donnent que les... Vous avez 33% de fleurs d'oranger bio, de la citronnelle bio, de la verveine bio, de la marjolaine bio, de l'huile essentielle de mandarine bio, de l'écorce de mandarine bio et de la fleur d'oranger à 1%. Voilà, bon bah écoutez, on testera, je vous en dirai des... Enfin, je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Et comme je vous avais dit, normalement il y a 4 boîtes. Voilà, j'en aurai d'avance, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris, je pioche au hasard, hein, j'ai pris le shampoing doux. Normalement, j'ai dû prendre après shampoing qui va avec. Oui, alors j'ai voulu tester, je ne les connais pas encore ceux-là. Vous savez que j'essaie de faire un petit peu d'une routine un petit peu plus saine dans mes cheveux avec des produits avec un peu moins de silicone et tout ça. J'ai voulu essayer le shampoing doux de la marque Pulpe de Vie. Donc, c'est celui-ci. Comme ceci. Donc celui-ci est à base de pommes et d'amandes bio. C'est des produits issus d'un vendu anti-gaspi pour tout ce qui est produits qu'ils mettent dedans. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle fabriqués en Provence. Et au niveau de l'odeur... Ah, ça sent très bon. C'est marrant cette odeur de mitigée amande-pomme. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le shampoing. Et j'ai pris également le masque soin, le masque et démêlant hydratant. Celui-ci est au melon et au concombre, pareil, hein, issu d'un vendu anti-gaspi, 99% d'origine naturelle et c'est bio. Et c'est celui-ci. Voilà. Je sais que pour les produits Pulpe de Vie, j'avais regardé, je devais en avoir, je crois que j'en ai eu en tout pour 90€. Si je suis dit une bêtise, je vous le mets là. Et je devais en avoir pour beaucoup, beaucoup plus. Ça sent bon aussi. Donc écoutez, je testerai ça et je vous en reparlerai dans les produits finis. Ensuite, là, normalement... Ah non, il n'y a pas que Pulpe de Vie. Il n'y a pas que Pulpe de Vie. Je vois que j'ai d'autres produits là. Attendez, je vérifie, je regarde tout. Après, c'est que Pulpe de Vie. J'ai recommandé 2 huiles démaquillantes nourrissantes pour les peaux sèches de la marque Nivea, parce que j'en avais plus en stock. Et j'en ai profité. Il y avait une vente un peu Nivea et plein de produits comme ça.
Donc j'ai reprofité pour prendre mes deux huiles démaquillantes parce que franchement, je vous en avais parlé récemment dans une vidéo vlog, je crois. J'avais retenté le baume à la camomille de chez The Body Shop et ça va pas du tout sur ma peau. Ma peau n'aime pas et ma peau n'aime plus parce que je l'ai utilisé pendant des années, il y a très longtemps. Et là, franchement, j'ai repris ça et c'est que du bonheur. Donc voilà. Ensuite, pulpe de vie, cette fois-ci, on y va, c'est parti. Alors, je me suis repris le soin visage lumière hydratant au pamplemousse bio, qui est celui-ci. Ça, c'est un pur bonheur, j'adore ce soin visage lumière. En ce moment, j'en ai plus, j'utilise celui à la pêche qui est plus hydratant, il est très bien pour la saison. Mais j'ai voulu reprendre le soin visage hydratant lumière parce que franchement, je trouve qu'il me fait vraiment quelque chose de bien à la peau et je l'aime trop. Ensuite, j'ai pris le soin hydratant blur avec probiotique, le Perfect Selfie. Celui-là, si vous me suivez dans mes vidéos, j'avais fait une vidéo spécialement pulpe de vie, je vous en avais parlé, je l'aime beaucoup aussi. Il est à la clémentine. Voilà, et celui-ci, il est top aussi. Moi, j'aime bien l'utiliser, cette crème, en fait, quand je sais que je ne vais pas me mettre de maquillage particulier sur la peau. Je l'ai utilisé beaucoup l'été quand je ne voulais pas me mettre de fond de teint et tout. Et franchement, celle-ci, elle est vraiment bien parce qu'elle vous floute vraiment la peau. Et elle fait vraiment un effet super sympa sur la peau. Donc, voilà. Ensuite, j'ai repris la crème lissage visante The Reed Killer. Voilà. Comme ceci, donc pareil, celle-ci elle est vraiment très très bien, première ride et tout. Je trouve qu'elle apporte vraiment ce côté lissant au visage et je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, alors je vous expliquerai après moi comment je les utilise, parce que vous allez vous dire mais elle prend plein de crèmes différentes, comment ça se fait et tout, je vous explique tout ça après. Ensuite, j'ai repris également le clin d'œil. Donc c'est un soin et masque contour des yeux 2 en 1, donc c'est celui-ci. Voilà, donc c'est tout simplement un contour des yeux première ride, donc c'est un tout petit pot, enfin c'est un tout petit pot, je crois qu'il doit faire 15 ml comme beaucoup de soins contour des yeux. Pareil, celui-ci, il est génial, moi j'utilise aussi le Bright de temps en temps parce que je l'aime bien, celui qui apporte de la lumière, mais celui-là j'en avais plus, donc fallait que j'en rachète. Tiens d'ailleurs, en parlant du Bright, le voilà, c'est le soin yeux lumière anti-fatigue et il est vraiment génial aussi celui-ci. J'aime beaucoup en fait les utiliser en combo. Je vous avouerai que le Bright, j'aime bien l'utiliser dans la journée et celui dont je vous ai parlé avant, j'aime bien l'utiliser le soir. Donc voilà un petit peu pour ça. Il n'y a pas de crème de nuit principalement chez Pulpe de Vie, mais moi j'arrive avec toutes mes crèmes à me faire une petite routine à moi et je vous en parlerai juste après. Alors j'ai voulu tester parce que celui-ci je le connais pas, c'est le sérum et masque visage première ride, donc à l'argousier, c'est celui-ci. Donc ça je le connais pas, donc c'est un petit sérum. Alors les sérums de chez eux, j'en ai deux, j'ai le super hydratant et j'ai le Bright que j'aime beaucoup. Donc là c'est le, comme je vous ai dit, le sérum et masque visage, donc c'est comme un sérum en fait. Vous avez les petits sérums de chez eux sont en vert, voilà, c'est comme une huile en fait. Ça sent l'argousier. Faut connaître l'odeur de l'argousier, mais ça sent l'argousier. Mais j'aime bien en fait. J'ai l'impression que c'est hyper hydratant. Ils disent quoi? Ce n'est pas une pulp fiction. Oui, ça va réhydrater, redonner volume, éclat et tout. Donc. Écoutez, on testera, on verra bien. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est le sérum perfecteur visage avec probiotique, c'est le no filter, donc c'est celui qui va avec la Perfect Selfie en fait. Et là cette fois-ci c'est le sérum. Voilà. Hop, donc il se présente en petite bouteille, pareil. Je vais le tester sur l'autre main. On sent que ça... J'ai les mains sèches en ce moment avec le magasin où je vais régulièrement et où je mets beaucoup de gel hydroalcoolique. Oh, ça sent trop bon ça. C'est à quoi ça? C'est à quoi ça? Non, ça peut pas être. Ah si. Ils disent que c'est au concombre. Ah, moi je sens autre chose. Il y a quoi là-dedans? Ah, il y a du citrus. C'est ça, c'est la petite odeur de citron. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal ça. Ah, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit sérum. Et je crois que c'est fini. Oui.
confiné. Et dedans, il y avait un bon HelloFresh et il y a un bon de vin royal, 30 euros d'achat. Acheter un bon vin tout simplement, 30 euros d'achat. Des 60 euros. Écoutez, je vais le laisser de côté. Je vais voir avec mon mari si ça l'intéresse. On verra bien. Voilà un petit peu pour mon colis. Donc, pour celles qui voudraient savoir, oui, j'utilise toujours Pulpe de Vie. La preuve, vous êtes beaucoup à me poser la question si j'utilise toujours cette marque. Oui, parce que j'ai enfin trouvé la marque qui me plaît et qui me fait un visage comme j'aime. Après, vous êtes beaucoup aussi à me poser la question de savoir qu'est-ce que je dois utiliser pour faire ma routine. Enfin, qu'est-ce que vous devez utiliser pour votre routine et tout. J'ai pas de conseils à vous donner là-dessus parce qu'on a toutes des peaux différentes et que ma peau à moi n'est pas votre peau à vous. Et le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de tester les produits, voilà. D'essayer de trouver peut-être, pourquoi pas, chez Beauté Privée, des prix super intéressants. Bon, déjà, à la base, les prix sont assez intéressants puisque les crèmes sont à moins de 15 euros, je crois. Donc, c'est assez intéressant. Et de faire, voilà, votre propre idée. Je crois que sur le site, on peut aussi voir un petit peu pour faire un avis. Et enfin, faire un petit test. Et il vous donne un petit peu les produits qui pourraient vous intéresser. Là, la seule que j'ai pas retrouvée, c'est celle à la pêche qui est super hydratante, que j'aime beaucoup en ce moment. Je pense que je vais me la recommander sur le site parce que je l'aime beaucoup en ce moment. Mais vous voyez, par exemple, comme je vous disais, moi, je les utilise pas forcément tous en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, là en ce moment j'utilise le contour des yeux Red Killer pour les rides le soir. J'utilise la crème Bright pour le contour des yeux en journée parce que je trouve qu'elle est vraiment bien et qu'elle illumine bien le contour de l'œil. Et pour les crèmes, la Perfect Selfie, moi c'est vraiment celle que j'aime utiliser en été parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. Mais j'aime aussi l'utiliser le samedi ou le dimanche quand je sors pas, quand je me maquille pas, etc. pour avoir une peau un petit peu plus jolie. Belle The Bright, la crème soin lumière, comme ça je l'utilise n'importe quand. Voilà, c'est selon mes envies et mes besoins. Et le The Red Killer, c'est pareil, j'utilise le Red Killer, la crème première ride, là je l'utilise plus, je l'avoue, le soir. Donc voilà un petit peu, c'est à vous de vous faire votre avis, mais moi je sais que les crèmes Pulpe de Vie, j'aime bien les utiliser, j'en ai plusieurs, j'ai quasiment toute la gamme de chez eux et j'aime bien les utiliser en fonction de mes besoins, en fonction de ce que ma peau me demande, et je trouve ça vraiment bien parce qu'elles sont vraiment complémentaires toutes, donc je trouve ça au top. Donc voilà, Pulpe de Vie, c'est vraiment pour moi une révélation, j'ai découvert enfin les soins qui font de ma peau ce que j'ai envie qu'elle soit, donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà, c'était mes petits achats que j'ai fait chez Beauté Privée, chez Banana Beauty et chez Stokomani. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos.